Le mot du jour. Le mot du jour présenté par Divine Jolie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Bonjour chers frères et sœurs. Comment est célébré le sacrement de l'onction des malades? Et quels sont les effets de ce sacrement? La célébration de ce sacrement consiste essentiellement dans l'onction d'huile, si possible bénie par l'évêque, onction faite sur le front et sur les mains du malade, dans le rite romain, ou encore sur d'autres parties du corps, dans d'autres rites. Elle s'accompagne de la prière du prêtre qui implore la grâce spéciale du sacrement. Quels sont les effets de ce sacrement? Le sacrement confère une grâce spéciale qui unit plus intimement le malade à la passion du Christ pour son bien et pour le bien de toute l'Église. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n'a pas pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, l'onction des malades prépare au passage vers la maison du Père. Passez un bon week-end. Que Jésus-Christ, source de toute bénédiction, vous comble de ses bienfaits. Et à lundi.